Le monstre poire. Le bébé qui a cueilli le plus de fruits ce mois-ci est... Et là ! Tu es la meilleure ! Félicitations ! Merci, merci. Je vous offre un super crayon aussi pour que tout ça... On va t'attendre à la cabane de la plage. Comme ça, je vais pouvoir faire une petite sieste. Betty, tu peux m'aider ? Oui, oui, je peux gérer ça. Ouf! Hey! Tu as besoin d'aide? Non, non. Tout est sous contrôle. Oh! Ah! Ouch! Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Bah quoi? Désolée, mais c'est la marque sur ton visage qui a la forme d'un smoothie. Hein? Quelle marque? Ah! Quelle honte! Au lieu d'être celle qui cueille le plus de fruits dans le mois, je vais être la plus maladroite. Ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin de leur raconter ce qu'il s'est passé. Salut les bébés, on est là! Et on a les Cray Smoothies! Qu'est-ce qu'il s'est passé là? Quelle marque! C'est juste que j'ai eu un... Tout à coup, je suis tombée sur un... Un monstre! Oh, un monstre? Un quoi? Quel monstre? Un monstre! Le monstre poire! Oh, le monstre poire! Oui, il m'a attaqué par derrière. Mais avec une prise de karaté... Ah, tiens! Je lui ai fait peur! Trop fort! Mais quel courage! Et c'est qui ce monstre poire alors? Est-ce qu'il fait si peur? Eh bien, il sent mauvais parce qu'il est pourri. Je crois que je vais vomir. Tu l'as vu, Nana? Non, quand je suis arrivée, il avait disparu. Pas vrai, Ella? Ouais, même s'il est gigantesque et fort, il est super rapide. Ouais. Wow. Encore plus moche qu'un troll qui vient de se réveiller. Il est si... grand, comme 5 bébés, l'un au-dessus de l'autre. J'ai entendu dire que quand il touche un fruit, il pourrit juste en le regardant. Ça fait trop peur. J'ai entendu qu'avec un gros pas, il peut causer un tremblement de terre. Il peut voler. S'il le voulait, il pourrait détruire toute la récolte. J'ai vraiment très peur. Mais heureusement, Ella va nous donner un cours de karaté cet après-midi. Hein? Un cours de karaté? Oui. Comme ça, on va pouvoir affronter le monstre poire quand il reviendra. Quand il reviendra, tu as dit. Et s'il vient par là? Ella, j'ai une question par rapport au monstre poire. C'était une poire Williams ou une poire Comice? Je dirais... Williams. Et pourquoi tu as une marque de paille sur le visage alors que tu as été attaqué par le monstre poire? C'est parce que le monstre poire utilise une paille comme épée. Vraiment? Mais il n'avait pas un arc ni une coquille comme bouclier? Et combien de mains il a? Je peux lire dans tes pensées? Tu récupérais les Cray Smoothies à la fabrique et... Stop. Pause de 5 minutes. Mais pourquoi tu veux m'embarrasser devant tout le monde en plus? Mais ce n'est pas ça. C'est parce que certaines ont peur de tes histoires. Je veux juste que tu leur dises la vérité. Aucun monstre poire ne va oser venir ici. Bye les bébés. Quand le monstre poire disparaîtra, je reviendrai. S'il vous plaît, ne lui dites pas qu'on est à la montagne et fantaisie. Hey, attendez-nous. Tu vois? Tu as raison. Je dois leur dire la vérité. C'était quand même trop drôle tout ce que tu as inventé. Une paille comme épée. Merci, Nana. Merci, Gio, Jerry. Je dois vous avouer quelque chose. Le monstre poire. Hein? Le monstre poire. De quoi? Le monstre? Mais où ça? Là! Hein? Le monstre poire! Allez, on va y arriver! À la table! Tiens! Oh oui! Oh! Oh! Hein? Oh, c'est Jelly! Je vais m'en occuper! Prépare-toi, monstre poire! Tiens! Ouais, bien joué! Hein? Mais pourquoi les jellies sont-elles ici? Je voulais vous dire que j'ai tout inventé. Quand j'ai laissé tomber les Cray Smoothies, ils m'ont laissé cette marque. Vous voulez bien me pardonner? Bien sûr! Est-ce que tu veux une poire?